Salut à tous et à toutes, ici Monsieur Wu. Donc je vais vous montrer juste parce qu'en fait j'ai déjà le jeu est à fond. Je sais pas du tout si ça a fonctionné correctement. Par contre, j'en ai aucune putain d'idée. Est-ce que le jeu a bien compris ce qu'il doit faire? Je sais pas. En fait, je vous explique si le jeu veut bien fonctionner. Overlay, utiliser overlay, je sais pas quoi. En fait, si vous voulez, ben. Oula. J'ai acheté, j'ai pas acheté. Hein. En fait, ici, on est sur Skyrim. Je me suis remis un peu à Skyrim, en fait, tout simplement parce que je trouve ce jeu mais juste intrigant. J'ai pas vraiment beaucoup joué. J'espère que vous voyez ce qui arrive à l'écran, sinon tant pis. Hein. C'est un seul test que je ferai, et je ne le ferai pas deux fois. Donc du coup, si vous voyez un peu ce qu'il y a, donc ici, en fait, ce qui est bien. C'est que j'ai installé un mode qui permet tout simplement d'avoir un renard. C'est le mode Friendly Fox. Du coup, je peux dire tu restes ici. Du coup, il reste là, si. En bref, c'est un chien déguisé. Ou alors, je peux décider qui me suive, ce qui m'intéresse plus en effet. Hein. Voilà, hop. Si le jeu veut bien prendre en compte. Voilà. Et là, du coup, l'animal me suit. Si je recule, vous voyez, il me suit. Et du coup, ben, j'ai un renard qui me suit. Voilà, oula, la qualité, un peu pour rien. Mais sinon, de loin, ça va, hein, ça donne bien. Regardez, c'est assez sympa, hein, là, ça passe. Et pour information, je suis en ultra en termes de qualité en termes de qualité d'affichage, je suis en ultra. Donc, je peux pas être plus haut que ça. Hein. C'est pas possible en général. Donc, du coup, ça fait du bien parce que ça fait, il y a. Quand tu reculais en arrière, en fait, c'est quand je reculais en arrière il y a quelques années, je ne pouvais pas jouer avec une telle qualité une telle qualité tout simplement liée à cet opus. J'ai jamais pu y jouer graphiquement comme ça, avec une qualité aussi haute, tout simplement en fait. Je n'ai pas pu. Je jouais avec une qualité très pourrie, très en mode très load à l'époque sur l'autre PC qui avait une carte Qu'y graphique de a-t-il? merde. Oui, monsieur. Donc du coup voilà. J'ai un peu peur pour le petit renard, mais je pense qu'il est invulnérable vu que c'est un mode, un beau gosse. Il doit être invulnérable. Et du coup, comme vous avez compris, moi je suis un. Un cagite, hein, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Ce que je vais faire ici, Venez c'est que. discuter avec une vieille femme, faire votre bonne action de la journée. Hein? Qu'est-ce que vous voulez, madame? Mon ami Maven et moi, connaissez-vous Maven, Saïez? Nous savons rester à notre place. Nous savons aussi où se situe la place des autres. J'ai pas compris ce qu'elle dit parce que le son, j'ai un peu réduit le son pour pas que ça répercute. C'est un peu quand même augmenté. On verra bien ce que ça donne. Mais ouais, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que c'est assez plaisant de pouvoir admirer le jeu graphiquement. C'est juste, waouh quoi. On va un peu visiter en mode qualitatif. Comme vous voyez, les ombres sont assez quali et je suis en ultra. Et les chargements sont très rapides. Bon, par contre, c'est pas le Skyrim de maintenant, hein. L'ancien Skyrim que j'ai acheté. Donc, est-ce qu'il y a, si au cas où, est-ce que si j'aurais mis l'ancien Skyrim, enfin le nouveau, est-ce que la qualité serait pareille? Je sais pas. Bon, en tout cas, ici, en tout cas, ça tourne vachement bien. D'accord. Donc du coup voilà. En tout cas, les chargements sont très très rapides. J'ai Suis même... aussi nordique que les autres, mais je ne suis pas Ah, mon renard me suit. Qu'y Je a-t-il de m'inquiète même génétique? pas de la femme, moi je m'en bats les couilles, c'est le renard qui m'intéresse. J'ai mis un mode HD pour l'eau aussi. Je sais pas si ça a changé quelque chose. Ouais, je sais pas. Puis ces gris toisons finir dans l'oblivion. Oui, Tu te monsieur. souviens des sombrages? J'ai Oblivion aussi.
Bon, après vous regardez un peu ce que ça donne, voilà, c'est beau graphiquement, voilà. Alors ici en fait, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais vérifier, c'est un peu les trucs. Donc absent au combat. Donc je vais faire cette quête-là. Augustine Grise pense que son frère Thoral a été fait prisonnier. Nanana. Trouver une preuve ce qui arrive à Thoral et retrouver les Faria et chez elle. Ok. Et diverses, j'ai parlé de Carlotta à Michael, qui est nom de merde, pour dire à Michael de se calmer parce qu'il la drague apparemment ou un truc comme ça. Il fait son gros chouin. J'ai eu un gros lag. Donc après. Mon cousin est parti affronter les dragons et moi, je me retrouve à faire le planton. Oui monsieur. Du Je coup oui passe beaucoup de c'est temps à assez cool. l'hôpital du matin. Merde, je vais dans mon. Je fais n'importe quoi. J'ai besoin Oh d'expérience si tu veux putain. avoir mon auberge un peu Quel mieux. con. C'est qui crie comme ça? Ah oui, c'est l'autre handicapé de go, voilà. C'est où aussi? Je sais même plus qu'est-ce que c'est ça. Regardez, j'ai même pas le temps de voir quoi que ce soit, c'est déjà chargé. Oula, le lag. Alors, je dois chercher un certain, je sais plus qui. Mon frère Vilcas parle bien mieux que moi. Il devrait être dans les alentours. Non. Sans Vignard, je serais mort. Il m'a pris sous son aile Brille. et m'a aidé à tourner la Ah page. ouais, c'est Michael que j'ai. Pardon, excusez-moi. Je vais m'excuser. C'est très joli tout ça. On peut se mettre en première personne pour mieux voir la qualité graphique de au max ce que ça donne. Bah, j'ai rien à foutre ici en fait. Hein. Clairement. On se casse. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais foutre ici. Mais en tout cas, les chargements sont hyper rapides. What the fuck? À l'époque, je voyais des trucs, ça prenait du temps. Hein. Bonjour, monsieur. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que ça fait du bien en fait de jouer à Skyrim avec le en ultra en fait. La seule petite modification que j'ai faite, c'est l'anisotropie. Au lieu d'être à 16, je l'ai mis à 12. C'est toi, Michael? Non, pas du tout. Après, ça va être compliqué, je sais même pas où il faut aller. Ouvrir la porte, oui. Il y a quoi là-dedans? Dormir dans le lit à quelqu'un. Se transformer en benzaï. En benzaï live. Faites un fagotisation et allez dormir dans un lit qui vous appartient pas. Ça s'appelle de la marouflette. Alors, non. Avec mes compagnons en mousse là, un petit renard, qu'est-ce qu'il est beau. Puisse ces gristoisons finir dans l'oblivion. Ils veulent soutenir les sombrages, ils auront ce qu'ils méritent. Quand l'Empire a capitulé devant le domaine Aldberry, il nous a tous couverts de honte. Qu'y a-t-il? Non, ils n'ont pas d'existence, c'est juste garde Blancherive. Et on s'en bat les couilles s'ils ont vraiment une vie. Ils n'ont pas d'existence. Il est où le ciel? Il est où le soleil? J'ai l'impression qu'il y a des changements de... Attends. Voilà. Comme ça, vous voyez clairement, correctement. Du coup, on était. Oui, ça n'a pas de réaliste. Le mec, il attend pendant presque 24 heures sans bouger, comme ça, en mode. Ah ouais, bah, je vais rester sans bouger parce que j'ai décidé. C'est comme ça. Des armures de mercenaires, à ce que je vois. Ça, c'est la vraie vie. Ah oui, peut-être, je sais pas. J'ai acheté cette armure-là parce que c'était la meilleure qu'il y avait en termes de puissance, tu sais. Je sais
pas vraiment cherché à voir si c'était une armure de mercenaire. Tu sais, moi je suis un peu en mode je m'en bats les couilles. Je trouve ce que je peux trouver. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. Je trouve pas le Michael, en fait, je sais pas où il est. Vous venez d'arriver ici, je ne fais pas confiance. Bah, je t'emmerde. Il est où mon renard? Il est là. Le mec il s'en bat les couilles de la meuf, mais par contre le renard, faut pas le perdre. Ah bah il est où coquin avant hein. Ouais bah j'ai pas trouvé hein, écoute. Je sais pas où il se trouve ce type. Est-ce que c'est dans la tanière qu'il faut aller? Manquer de respect à la loi, c'est me manquer de respect à moi. La vie est déjà bien assez dure comme ça. Vous n'avez pas idée. La moitié des hommes de Blanche Rive m'a déjà demandé en mariage. Certains n'étaient même pas célibataires. Ils ne comprendront jamais. Tous les bouquets de fleurs et tous les mots doux du monde n'y changeront rien. Tout ce qui compte pour moi en ce moment, c'est Mila, ma fille. Aucun homme ne se mettra entre moi et mon petit ange. N'oubliez pas, fruits et légumes frais tous les jours. La plupart. Oui, mais le problème, c'est que il est où? Où je peux le trouver? C'est ça le problème, parce que je ne sais pas du tout. Oula, le lag. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Le travail est dur, mais la vie est belle. Bah oui, c'est bien, mais moi je m'en bats les couilles. Enfin, désolé. C'était assez gratuit. Enfin, soit. Putain, mais je suis désolé, mais je trouve rien, moi. Oula, j'ai eu un truc blanc. J'ai eu une sorte de blanc. Pas compris ce qui s'est passé. Brium. Je regarde en fait tous les pseudos quoi. Je me dis, j'ai peut-être tantôt trouvé le gars. Vous avez déjà essayé d'être mercenaire? Arène. Ça pourrait vous convenir. Non, ça c'est des gardes blancheries. Savez-vous que certains fruits poussent mieux sous les climats froids? Je m'en bats les couilles. Ouh, le lag. Assez-vous souvent dans Nazem. Oh, mais qu'est-ce que pas. Épicerie de blancherie, peut-être qu'il c'est était quelque là. Chose pour à peu près tout le monde ici. Faites-moi signe si vous avez des questions. Non, c'est Nazen. Hein. Et lui, c'est qui? Bethello, non, il m'a fallu des années. D'ailleurs, je porte conseil au Jarl. Je pense qu'on va se quitter, hein, parce que je vais pas faire une vidéo dans 6 ans. Mais cela vous dépasse sûrement. Ah, merde. Ouais, ça frise. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter ici au niveau vidéo, tant pis. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu pour vous montrer un peu à quoi ressemble Skyrim en mode avec la qualité ultra haut. Et je vous dis à bientôt dans notre truffe. Portez-vous bien.